Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, bénis-nous. Amen. Rendons-nous dignes, Seigneur, de prier avec reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par le Christ Jésus notre Seigneur, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Rendons grâce au Dieu, bienfaiteur et miséricordieux, le Père de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il nous a protégés, supportés, gardés, acceptés auprès de lui. Il a eu compassion de nous, il nous a soutenus, il nous a amenés jusqu'à cette heure. Prions-le de nous garder encore en ce saint jour et tous les jours dans notre vie dans la paix. Lui qui est tout-puissant, le Seigneur notre Dieu. Ô Maître, Seigneur, Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions de toutes choses, pour toutes choses et en toutes choses, car tu nous as protégés, supportés, gardés, acceptés auprès de toi. Tu as eu compassion de nous, tu nous as soutenus et nous as amenés jusqu'à cette heure. C'est pourquoi nous te prions, réclamant dans ta bonté, ô ami du genre humain, de nous donner d'achever ce saint jour et tous les jours dans notre vie, en toute paix et dans ta crainte. Que toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, toute intrigue des hommes méchants, toute attaque de la part des ennemis visibles et invisibles, soit éloignée de nous, de ton peuple et de ce saint lieu. Accorde-nous ce qui est bon et utile. Car tu es celui qui nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par la grâce, la miséricorde et l'amour envers les êtres humains, de la part de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, par lequel te sont dues la gloire, l'honneur, la puissance et la prosternation. Avec lui, le Saint-Esprit, celui qui vivifie, qui constitue ton ciel avec toi, maintenant et à jamais, dans les siècles et les siècles. Amen. Oui, bonjour mon ami. Oui, bonjour. Comment est la famille? Bien, grâce à Dieu. Il manque un peu de temps et tu seras prêt. Tu sais quelque chose? Je ne crois pas que Dieu existe. Et pourquoi tu dis ça? La réponse est facile. Quand tu vois tout autour de toi, tu réalises que Dieu n'existe pas. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent? Si Dieu existe, il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus des petits qui n'ont pas de maison. Si Dieu existe, alors pourquoi il laisse tout ça se passer?
Bon, à la prochaine. Tu sais, les barbiers n'existent pas. Quoi? Et moi, qu'est-ce que je fais? Les barbiers n'existent plus. Parce que si les barbiers existent, il n'y aura plus d'hommes comme ça, avec de longs cheveux. Les barbiers existent, mais le problème est que ces hommes-là ne viennent plus pour nous. Exactement. Dieu existe, mais les hommes ne viennent plus pour lui. Ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Dieu existe, mais les hommes ne viennent plus pour lui.